il est stylé, lui. Hmm. Ah, c'est la boutique avec des chats. Hein. Ah, oh, superbe la thune. Plus de deux. Purée de saucisses dans mon temps. Pecorino, shoo, shoo! Stop eating my experiment. Is this a pet store? Settle down, miss, and have some tea. Brie, Fontina, get out of there. C'est un bar à chat, quoi. I'm Mina, by the way. Job, Belkin. C'est bruit de chat qui est violent. Astronomy wizard extraordinaire at your service. Wow, that's some title. What do you do here exactly? Well, my lady, I'm in the process of creating a super flavor enhancer. It'll accentuate the consumer's favorite flavors, so it'll be universally delicious. I'm calling it Ambrosia. How are you going to make this happen? My experiment requires me to extract the essence of 100 different dishes, but the progress is slow. I'm looking for assistance, but you'd be surprised how many people in town are allergic to cats. Well, it sounds interesting to me. Is it a paid job? Of course! I'm a professional. The Brigade funds all my research. So, how can I help? Most of my recipes are almost complete. I just need a hand finishing them up. Ok, on va trouver un job étudiant. Tac. Hop. Alors, on t'offre au McDo. Ça fait plaisir. Alors, hop, terminé le combo. Ouais, c'est ça, t'as les chocs qui miaulent au fond. Miaou! Miaou! On va inventer le coup de pied. Tac. Well done! You're a natural! Stop by anytime you have a free moment. It looks like Pecorino has taken a liking to you, and I'm sure he'd appreciate you visiting. C'est beau, parce que c'est bien, y a de, la fois des dessins ils sont pas terminés, pas colorés, parce que tu sens que les gars, voilà, il y a beaucoup de boulot quand même à faire pour un petit jeu indé. Mais en même temps, ça rend bien au niveau visuel, c'est assez harmonieux. Genre en haut, genre sur le haut là, tu vois qu'il y a encore des, voilà, des coups de crayon un peu là, sur les côtés et tout, mais ça rend bien visuellement, du coup c'est plutôt cool. C'est des petites techniques pour la faire faire quelque chose de joli, mais en même temps, pas passer trop de temps dessus. Enfin voilà, c'est plutôt cool, c'est plutôt intéressant. Comme 6 visuels de la petite gruge quoi, mais c'est cool. Le mec ça va. Comment t'as plus ça les gens qui ont deux têtes là, dans les monstres mythologiques. Ah c'est un, il s'appelle un cyclope bicéphale. Ok, ça c'est la guilde des chasseurs. Ma première classe sur WoW, un chasseur. Ah non, officiellement ma première classe c'était Shaman, mais bon j'ai joué qu'un personnage au level, mais le premier perso que j'ai joué sérieusement sur WoW c'était chasseur, mon premier perso sur WoW. Un petit hunt comme disent les vrais. Bonjour, m'a dit venir ici pour l'échauffement. Ça je pense que je fais pas des bisous au mur sur le chat. Are you Thorn? Thorn. Maybe I was too suffocating for her. Part? I mean, is 20 messenger doves one too many? Maybe it was the Manticore trophy I sent. I'm sorry, but are you the one in charge here? Ah bah je l'ai chopé gratuitement quand ils l'ont donné gratuitement sur Battle.net, mais j'ai jamais joué encore à Destiny. Oh. Puis bon, c'est un jeu, il faut payer les DLC si tu veux vraiment profiter du truc. Voilà. Je vais pas jouer à la. Give me a second to strap up my boots and we'll head to the arena and see what you're worth.
C'est quoi ce lore là encore? Chaque bon chef de bataille sait comment utiliser des attaques physiques et magiques. Ma sœur Anne m'a tout appris sur la magie du vent. Et commençons l'exercice, j'ai rendez-vous avec une bouteille de vin dans une demi-heure. Bon étage. Ah oui, un bon chasseur contrôle parfaitement son corps. Pour les attaques physiques, appuyez sur X. Les attaques magiques, utilisez Y. Les attaques de panique utilisent de l'alcool, cela dépend de votre vice. Pour commencer, voyons un peu si vous pouvez faire un uppercut au-dessus de lui ou de faire un second saut. Ok. Ok, on va passer en dessous comme ça. Wow! Mata! Et on va t'en montrer notre meilleur piétinement. C'est un moyen de sûr de vous. J'ai attendu et acheté la version totale avec les DLC. Ok. Oh, bah, je pense que c'était le meilleur deal maintenant. Bien, maintenant montrez-moi votre meilleur piétinement, c'est un moyen sûr de toucher les ennemis sous vous, sauter. Ok. Ok. Ouais, stylé. Ma parole, qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé une pièce d'or dans un peu Jean-Pantalon, je pensais avoir réussi la dernière fois que je l'avais ici. Non, regarde même. Pour finir, mieux votre esquive, vous aurez besoin d'éviter de prendre les dégâts. Ça rend stylé, ouais. J'aime beaucoup. Rien que l'animation quand tu cours et tout, c'est vachement classe. Ce jeu là, ouais, bah oui, bah. Après, c'est pas un early access, hein, je l'ai fini, hein. C'est même la version de luxe là. Tac. C'est tout pour aujourd'hui. Je peux vous montrer ma magie aussi si vous le désirez. Je crois qu'il est sorti il y a 2 ans maintenant le jeu. Il est sorti aussi sur Switch hein, depuis, il me semble. J'ai des couteaux et des tourbillons spéciaux, et ce ne sera pas nécessaire, hein, vous allez juste s'assurer que les nouveaux arrivants sont autorisés à combattre dans nos arènes. En guise de récompense, pour avoir passé l'épreuve, je vous donne un peu d'or, mais ne m'emballez pas, c'est juste de la bête des courses. Yahoo! Ok, vous avez votre or. Et j'ai toujours plein de défis à proposer sur le tableau de prime, alors venez plus tard. Ou pas. Beaucoup n'en reviennent pas. La plupart des gens concentrent sur l'argent, pas sur la chasse. Je vous remercie pour l'instruction aujourd'hui, je vais faire un usage judicieux. Ok. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, pas prometteur. Et je te vois, il s'annonce sympa le jeu, quoi. Eh voilà mon petit jeu bleu, comment vas-tu cet après-midi en soleil? Magnifiquement bien, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui? M'intéresser à la guilde chasseur, là, cette tente m'a vraiment effrayé. Fais attention de ne pas toucher un de ces trophées, ma main a failli passer. Merci du toyau, ça m'en souvient. Okay. C'est ton fonco, il est magnifique. Oh, elle le sait. Est-ce qu'elle t'aide à te battre pendant les matchs? Je n'ai jamais rencontré de fauconnier avant toi. Que veux-tu? Excuse-moi, mais je te reviens pour lisser les clous. Okay. Que des phobiques sociaux hein, cette vie. Pantida. Putain la meuf, c'est une viking. C'est une viking. Avec son gros marteau et tout. Là. Vous êtes ici pour la pause de cuisine de ligne de commande. Est-ce que vous pouvez gérer toutes les commandes? Ma famille possède un restaurant, alors j'ai un peu d'expérience. Pendant que j'ai jamais travaillé ailleurs. Donc, toujours dans le vif du sujet. Avec le temps qui se déroule. Bon, je t'aide pas tout bien. Pourquoi il y a des doublages? Here at the Crescent, we prioritize the customer's time and hunger. Not everyone has the time or coin for an exquisite meal cooked by a real battleship. That's where you come in, recruit. Your goal as a line order cook is to fill customers' orders as quickly as possible. For each order, all that matters is that the requested taste gem pattern is somewhere in the dish. Our pans here don't even get hot enough to upgrade taste gems. So don't make... Here, try this... Ok, donc faut du fast-food, quoi. Mm.
vrai que... Oh, excellent. Ok, donc faut juste faire la bonne combinaison. Ah, c'est deux bleus. C'est deux bleus, mais après... Ah, le gars qui coulisse un peu, quoi. Ah, ok. Non, non, c'est pas bon parce que... Flûte. Non, attends. On va refaire ça. Voilà. Je te prends un peu trop par la main, je trouve. Tac. Voilà, ça parle, ça parle. Ça joue qui parle. Le prochain coup de feu arrive, ce sera un bon test. N'oubliez pas, plus vous servez, plus il y aura pour moi. Ok. Thank you so much. Very much appreciated. Delicious. Ça va, ça est plutôt bien tiré. Vous allez passer mes attentes. Je vais faire mon meilleur. Alors, j'espère que vous reviendrez. Le Crescent peut utiliser. Steam, je fais des steam hams. Eh bien, j'espère que vous reviendrez. Je reviendrai. Le croissant de lune aura besoin d'un chef comme vous. Ok. Ok, c'est bon. Faut essayer d'oublier la musique. Deux ingrédients bleu basique, ok, un crayon bleu basique. C'est chaud dans genre Marie à Paris de peut être une harmonie magique avec les gemmes de goût rouge. Peut-être que c'est qu'avec le rouge. D'accord, ok. Là il va te défier, wesh. Clash. Ma chanson est bon. Let's go. Ah, t'inquiète, le trop jeu de fouinière, c'est mon mood depuis 50 ans. Au final, bah, je vis avec. J'ai appris à être dépassé par mon propre backlog. Donc j'ai abandonné.
je me retrouve à chaque fois à faire 10 jeux en même temps et puis je pleure. Après cet après-midi, j'ai réussi à me finir pour finir The Wolfenstein The Oddblood, mais foi, le boss final est nul, alors que tout le jeu est vraiment cool, hein. Mais le boss final, nul. Mais là, je vais finir récemment, j'ai quoi, No More Heroes 5 again, genre Okami sur Switch, j'ai encore recommencé pour encore redrop, enfin je vais reprendre, et quoi d'autre, Final Fantasy 9. Là sur Steam, je préfère même pas te dire. sur PS4, j'ai coulé à zéro, enfin plein de trucs. Mais après, c'est des jeux, genre, je me dis, une fois que j'aurai vraiment le mood de les faire, je vais les faire. J'ai pas envie de me forcer, si tu veux. Ouais, le golem, en fait, genre, c'est trop injouable, c'est mal foutu. C'est vraiment, genre, ah, Berk, j'ai pas kiffé du tout, hein. C'était limite frustrant, en fait. Parce que, genre, faut que tu gères à la fois le patin du golem, mais en même temps, t'es le nazi qui se ramène, il t'enlève ma vie. Après, le boss, tu dois le tirer dans la bouche, en même temps, la hitbox de la bouche est mal branlée. Enfin, j'ai vraiment pas trouvé ça terrible. It is my great honor to preside over what will assuredly be a pulse-pounding centennial. The contestants before you have traveled from across Victusia to showcase their skills. Only an elite few will rise from the ranks and emerge as. Ok. Mina Han loves dreaming up adventurous new dishes at her family restaurant. Hailed in her town as the Iron Stomach, she's sure to serve up intriguing creations. My stomach's definitely not made of iron right now. Mina. This competitor is said to be a descendant of Grand Matriarch Kill, and is known for her unorthodox ingredients. Shiv Zaya, the Acid Tongue. La langue acide, bah dis donc. Je sais pas si c'est un très bon nom quand même. You're not even worth it. Shiv. It's my pleasure to present our longest running judge. Ambassador Akebo! You're too kind, Chairman. It's an honor and a privilege to sit at the judges' platform for the centennial. Ah, there's nothing like a dish with plenty of fire to invigorate the senses. People of Victusia, I struggled with the choice for today's theme ingredient for weeks before it came to me during one of King Heinrich's favorite monsters to hunt and eat. Charging across the plains at Bowron! Chefs, please place your dishes on the judges. Grace this kitchen with the Vive la Brigade! Ok, faut mettre du feu et du toron. Du doron. On voit qu'on a une poêle, enfin un pot fait pour le feu. Claqué par ça. Wow. Fromage de salon. Partir là-dessus déjà. Par contre, les zombies avec des flingues. La partie avec les zombies, c'est stylé, mais c'est vrai que je quand même préfère tout le début du jeu avant, parce que vraiment les décors sont vraiment très stylés. Surtout quand t'arrives dans la ville au début, c'est vraiment très très cool. Mais quand tu t'échappes aussi avec les grandes nacelles et tout, c'est vachement classe. Puis la scène de la torture aussi avec l'autre zoophile, là, bordel. Ok. Thank you.
Ah, du coup, ça double les. D'accord, oh, c'est stylé. Des trucs je pense. Attends, je crois peut-être déjà avec la manger, voilà. Where did you learn to do that? This? My mom taught me. She was an amateur battle chef. Well, it's not like it's impressive or something. Of course not. Les pinceaux là, tac. C'est de rechercher des trucs. Principalement du feu si possible. C'est du bleu. Après, c'est vrai que j'ai beaucoup de verre qui traîne là, on essaie de reprendre. C'est de en virer le maximum quand même. Pour éviter qu'il y ait plus de verre que de rouge. Ouais, c'est, on a bien que c'est le cas. On va s'arrêter là, on va aller déposer le plat vite. On va la servir, let's go. Bon, par contre, on n'a pas de vie plus que ça, c'est dommage. Un petit peu son. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Let's see what our judge has to say about your efforts. Putain, le mien il brûle, genre il y a des flammes dessus et tout. Et mes cheveux ils partent en couille aussi. Goulab, Jaman de fruits lanterne, steak de dragon, tamachapote, steak de toro. Le plat n'est pas assez épicé, mais le français tout. Même le goût prononcé du feu est étouffé par les autres aliments. Putain, elle est nulle. Ce n'est pas ce que j'ai notre plat, mais il n'est pas assez spectaculaire pour triompher en finale. Expertly crafted. Le sort se livre petit à petit, mais ça rend le feu encore plus excitant. La session en bouche est super, mais le serveur est impeccable, ce serait un bel ajout à n'importe quel menu. Boss. The Iron Stomach's done it. Mina Han wins. Wouhou. Oh bah elle fait le même bruit. Steak de nouille au steak de Torun. This tournament is becoming a joke. The dishes you put up would never have passed the standards of our ancestors. It's customary in my culture to give the victor a token. Here. We use it to protect toddlers from getting burned when they first start cooking. Bah c'est de chiffre, chiffre. Il est très fort touché. Les dagues ralentissent et c'est... Ok. Lapisard fumé à l'argile.
pour la fille de toute façon là. Shadow. I am exhausted. This was only my first match. I'm gonna have to pace myself here. I haven't even realized till now that I'm hungry. I cooked all day and didn't eat anything for myself. I'll eat a big breakfast tomorrow to make up for it. Look at her go. It's like a trash compactor. Huh? We're just admiring your appetite. You're like me. I could eat a whole food truck and still be a stick. What's a food truck? You're Mina Han, aren't you? I heard about the Iron Stomach at the opening ceremony. Oh, wow. No one in my village actually calls me that. Just my friend. I think the tournament committee tries to play everyone up. Nothing special. Hey now, don't say that. Having a stomach made of iron is pretty incredible. Mine's made of paper. Plus, you're here, and only the best of the best are in Capital City. La creme, la creme. We'll see. Either way, I'm really excited for the opportunity. Atta go. Well, if you'll excuse me, I've got places to be, graves to dig up. See ya. Oh, here. Huh. Metal trinket of. What a strange guy. Did he say he was going to dig up graves? Comme il pouvait bloquer son scorpion. Franchement, ça se mange sur un mort. Ça se mange sur un mort tranquille. Bouchon de bouteille de Ziggy. D'ailleurs, Ziggy. On dirait une pièce de bonnet étrange puis sur les bords. Ouais, mon petit jet bleu, regarde ça. Ma famille a envoyé un colis, ils sont adorables. Regarde ma femme, elle m'a fait un colis en coquillage. Les magnifiques trajets d'annulation de l'ancien. Et mes enfants font un dessin de toute la famille. Le plus petite, c'est Lupa. Là, c'est Kai. Ils sont tous ces dents croquées, non? Ils sont plutôt doués, ils sont bien inscrits à cette assure. Tu as raison, bien, je ne pensais pas que mon ventre était si énorme. Il est rigolo ce personnage, j'aime bien. J'aime bien les tracheurs. Et vous aimez le petit déjeuner que ma femme cuisinait? C'était succulent, merci. Est-ce que ça va? C'est juste qu'il y avait beaucoup d'amour dedans, ça m'a donné l'impression d'être à la maison. C'est comme ça qu'on doit cuisiner pour les autres. Mes parents me l'ont toujours dit, mais je crois que je n'ai jamais réalisé ce qu'ils voulaient dire. Jusque là. Thank you for your kind. Ah! Anyways. ils ont oublié de tout traduire. Ah, d'accord. Voilà, j'ai vas-y, on va essayer de un petit peu de pognon, c'est d'abord. Vite, vite, il y a beaucoup de choses à faire. What's that? This seems like an awful lot of work for just one batch of. Will you have to make all these recipes and extract their essences every time? Ha! That's a good question, my astute assistant. If I'm successful, the brigade will assist me in reproducing amb. Then chefs from all around can have a. Interesting. This won't be a shortcut to prop. Never. Like any seasoning, it can be used. Ok. Yes, ok, je sais à peu près comment ça marche déjà. Tac. Hop. Moi je pense que je vais y aller, donc en plus n'hésite pas à aller voir mon cheval ici, genre le sac. D'accord, je le retiens. Bonne nuit Draco. De toute façon j'ai pas besoin d'arrêter là, bientôt une heure et demie qu'on se traîne, enfin plutôt une heure, tac. Voilà, une série bye. Tac. Des bisous, merci d'être passé du coup. Ça fait plaisir. D'accord. Autant on a des os, ça combine. D'accord.
utile pour le bleu, je pense. Non, je vais l'utiliser pour le blox. Ensuite, si je prenais, bien le faire déjà. Revenez quand vous voulez, je vais pouvoir avoir besoin de vous pour suivre les chansons. Ces boules de poils deviennent encombrantes. Ok. On a gagné de l'argent, c'est déjà pas mal. Ah, tiens, c'est vrai. Greetings, recruit. Most of my guests don't have, in addition to your wages. Yes, ma'am. Just. Non, putain. Oh, thank you, dear. C'est one shot. Hop. Tac. Ok. Ça doit être là. Oh. Oh, c'est un peu galère. Very much appreciated. Voilà, donc c'est pas très compliqué, voilà. Ensuite là. On inverse le bleu là. Bon, pas comme ça du coup. Ah. Non, pas comme ça non plus. Zut. Ah voilà. Absolutely wonderful. Fuck. Je vous gaulise, hein. On va pas se mentir, non. Hop. Ouais, bon, je laisse tomber celui-là. Fuck. Welcome to the practice kitchen, cadet. Yes, I fit in a quick practice match with Kieran. A wise decision. Well then, you know practicing isn't a requirement, but if you're ever unsure of a new tool you've acquired or new tastes you... Makes sense to me. Good. I'm off to check in on the other.
J'arrive pas à comprendre le but. Bah, en gros, si tu veux, en gros, donc là, en fait, donc t'as, en fait, quand tu fais un, en gros, on joue un personnage qui participe à une espèce de grand concours de cuisine. Donc on va rester dans la ville plusieurs jours et tout, enfin, pour terminer le concours, quoi. Puis à la fin, donc, on verra si on a gagné ou pas. Et donc, du coup, donc le corps du jeu, donc c'est les phases où on fait de la cuisine en duel. Donc, du coup, t'as en deux phases. Donc, les phases où on va chercher de la bouffe, en tuant des monstres, en récupérant les ressources. Et après on les cuisine après. Et donc la cuisine ça se fait que c'est une petite phase de puzzle game où on assemble des couleurs et tout. Et donc on doit assembler les couleurs en fonction des... en fonction du... par exemple du thème du plat. Et aussi des préférences des jurys. Du coup si le plat il dit il faut mettre des plantes comme ça dedans, tu mets ça dedans. Et puis si le jury préfère les boulettes de feu, bah tu mets plus de boulettes de feu. Voilà, résumé... grosso modo c'est ça. Du coup c'est une espèce d'action RPG avec de la cuisine et tout. Ouais, c'est assez rigolo quoi. En plus on peut s'entraîner à faire des trucs. Ok, c'est bon, t'as compris. C'est bon, t'as compris. Là, on fait la petite journée quotidienne où on peut donc aller se faire de l'argent en allant aider le gars au chat, en allant cuisiner au restaurant, et puis en allant chasser. Oh, hold it. Maybe the caverns deep in the mountain. Jeez, what's with all the doom and gloom? And I thought I was hard on my. What would a youngster like you know? Ok, on a les trucs. I'm sorry, instructor. She's usually around Belkior's workshop. The cat geezer. I'm looking for headache relief, not a headache giver. We've got all...
Tac. Du coup, je pense que je vais rater là le stream. Tac. Est-ce que ça va remettre le monde en vidéo? Ouais, tac. J'en ferai sûrement d'autres streams du coup, parce que c'est bien cool quand même. Ouais, c'est bon. Enfin, je vais sûrement rien surtout hier jeu tout court. Tac. Ok, bah merci d'être venu, Aleska, Draco, tout ça. Ouais, évidemment, le famoso. Des bisous, portez-vous bien, à la prochaine. Kiss kiss, oui, oui, voilà, tout ça. XD LOL MDR, vous connaissez les bails. Tchuss!